On est en contact avec ces médailles-là. Encore un pour lui, Johannes Bø en patron, le petit coup d'œil derrière, personne n'est là. Les Norvégiens décrochent la première médaille d'or de ces championnats du monde à Oberhof, celle du relais. Johannes Bø avec son 9 sur 10, il est peut-être le nouveau champion du monde du sprint, édition 2023. Première fois de sa carrière, la médaille d'or sur une poursuite des championnats du monde. La petite pause en plus, il s'offre le luxe de jouer sur cette ligne d'arrivée qu'il passe largement. La médaille d'argent pour Quentin Fillon-Maillet qui est troisième à la sortie du dernier tiers. Mais ce dernier tour, il sera sans doute primordial pour Quentin Fillon-Maillet qui a réussi à tenir les skis de Johannes Bø. Sur ce 5 sur 5. Le relais homme et bien sûr la mass start, ce sera dimanche. Genoux aujourd'hui face à cette belle équipe de France. Oh et regardez quelle image, quelle sublime image de Johannes qui s'incline devant l'équipe de France et les Bleus qui applaudissent l'immense champion norvégien. Duel qui est tombé du podium.